Salut YouTube, on continue. Céleste, il nous manque 3 fraises. Il nous manque 3 fraises dans le cœur. Il y en a 2. Il y en a une, je sais où elle est parce qu'elle est visible, c'est juste un peu chaud à aller la récupérer. Il y en a une autre, je pense savoir où elle est. La troisième, par contre, ça va peut-être être un peu plus difficile. Donc on verra. On verra si on arrive à la choper. Zut. Il me semblait que j'avais réussi du premier coup, ça. Faut sauter, faut sauter. Coucou Melzekiel. Je suis content de te voir sur le stream, Melzekiel. Hop. Hop. Donc il y a bien un truc là aussi. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Je me disais que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ah oui, bah oui. J'enchaîne quoi? Les Sock Ventures, c'est quoi ça? Hein? Quoi, on passe à travers? Ah non? Ah mais oui c'est vrai, d'accord, ça y est, je me rappelle. Ah non, j'y arrive à moi. Merde. Non, c'est mort. Un jeu à la Céleste avec des chaussettes à la place des fraises. Non mais moi y a que ça. Non mais pourquoi ça marche pas Oh putain ça. Oh là là, ces trucs là c'est quand même la pire mécanique. Hein. Mais non mais voilà j'ai niqué mon dash donc c'est mort. Ceci dit, j'ai mal à la jambe, comme si j'avais dormi sur un nerf. Mais si tu veux, je te file mon mal de jambe à moi. Putain, mais merde. Celle-là, le stream en début de soirée vendredi. Personne n'a pas de se présenter pour rien. Ça donne les bons plans en plus, là. Oh merde. Je vous file ma chiasse. Putain, on est... bienvenue sur le stream des petits vieux. On a tous mal quelque part. On s'est tous mal fait. On fait mal quelque part. Oh merde. Ok. Déconne pas. Déconne pas Jean-Mich. Inferno. Oui, c'était moi, Jean-Michel. Si vous si vous posez la question, c'était moi. Yes. Bon. Celle-là, c'est fait.
et de une. Attends, j'ai pas vu ton message, Melzekiel. Merde, c'est pas ça que je veux que je fasse. C'est pas ça non plus. 35 secondes pour regarder avec nous, faut le commenter le trailer. J'ai pas de scène. J'ai pas de scène pour regarder des trucs avec vous, malheureusement. J'en ai jamais fait. Puis là, je t'avoue que je suis dans. Je suis concentré. On regardera peut-être à la fin plus tard. Original. De mourir comme ça. Ouf. Mais non, mais. Que se passe-t-il? Pourquoi joue-je comme un sac? Ok. Là j'en ai plus qu'un dash, non? Ah oui. Ah donc faut vraiment que le dernier là je le prenne vachement bien quoi. Eh oui mais je prends pas, j'ai pas pris le bumper. Commenter le trailer de Shock Adventure en fin de soirée ou pas. D'accord. Génial. Celle-là, je l'ai pas vu venir, je vous avoue. J'ai compris. Ça c'est nul. Tombé cette nuit à cause d'un vêtement de la petite qui traînait dans le couloir en prime. Aïe merde. Aïe. Il faut revendre les enfants. Alors justement je t'ai prévu. Ok. C'était pas si compliqué finalement. Ok. Bien dommage. Bien dommage, bien dommage. Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Ok. Il y avait rien là-bas, hein. Non, c'était pas là que c'était ouvert. Bon, alors déjà que je vais les avoir beaucoup moins à cause du divorce, ce qui me plonge dans un désarroi assez violent. Je comprends que l'on soit dans la blague, mais je peux pas y adhérer, désolé. Salut Folline! Et salut aux Raiders! Salut... attends, Lucifae. Si je me trompe pas, et si je me trompe, tu me dis... Et je m'enduirai d'excuses. Aïe. Comment vas-tu, Folline? J'ai vu que tu étais sur...
comment dire, merde, c'est quoi, Horizon Zero Dawn. Et c'est vraiment pas sympa d'ailleurs d'être sur ce jeu parce que parce que en fait au moment où tu l'as commencé, moi je l'ai installé parce que j'avais très envie de le faire et je me dis voilà, je vais pas te piquer ton public quoi. C'est tout à fait ça. T'inquiète Chouquette. Ah oh bah ça y est, on est ça y est, on se connaît quoi. Aïe. Mais qu'il est nul. Mais qu'il est nul. Et c'est le raid sans alerte. Mais oui, mais je suis le stream où voilà. Les raids ne comptent pas. Vous le savez maintenant, voilà. Ah non, j'ai plus de dash. Oh, ce bol. Ça, c'était nul. Et donc, comment tu le trouves, du coup, Horizon Zero Dawn? Ah! Qu'est-ce que je fous? Bon, finalement. Finalement. Aïe. Ah oui, j'avais dit qu'il y avait peut-être un truc à droite, là. Regardez ça. Regardez ça, là. Il y a des trucs à droite. Ah, on peut peut-être pas y aller, en fait. En fait, je suis peut-être con. Si, on peut y aller, hein. Il y a un truc, hein. C'était nul. T'as pas l'exclusivité, non, mais je sais bien, mais... Ah, ça peut, ouais, remarque. Bah, enfin, en même temps, déjà, j'ai plein de trucs à finir. Déjà, j'ai pas mal de trucs à finir, donc je vais essayer de les terminer. Ça serait déjà un bon début. Oh, y'a rien. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, y'a que dalle. Je suis passé en secret tout à l'heure, Folline, chercher une berceuse pour remplacer Tonium. Mais ça me laisse trop éveillé. Ah bah, non. N'est pas Tonium qui veut, hein. Faut être particulièrement chiant quand même pour arriver à mon niveau. Hein. Ah, c'est pas là. Hein. C'est pas là où je pensais. Mais non, c'est le... Bah oui, c'est le passage où y aller. Bah oui, non, mais je suis con, en fait. Ça peut pas être là, quoi. Yeah. Allez, plus qu'une petite fraise, là. On peut le faire, hein. Merde. Ah, enfin, plus qu'une petite fraise, et après, évidemment... Les phases B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Vous avez vu comment je connais bien mon alphabet. Lâche. Vous avez vu comment je connais bien mon alphabet. Et oui. C'est aussi ça mon stream. C'est apprendre des choses. Hop là. Hop, tu t'en vas, toi. Toc, toc, toc. Non ! J'ai sauté à côté. J'ai sauté à côté. Pas du tout exigeant, le petit jeu. Aïe. Mais non ! Mais non, chope la corniche. Là, je vais trop vite. Ah. En même temps, si j'avais trouvé les fraises du premier coup... Non ! Je n'aurais pas besoin de recommencer le stage.
Et je l'ai pas raté comme ça la première fois. Hein. Hop. Merde, fallait, ouais. Il fallait faire des grands bons après. C'est les petits bons sur les premiers et des grands bons après. Je me ferais bien aussi. Oh là, mais je fais trop de jeux en fait. Mon problème c'est ça, j'ai envie de faire trop de jeux. Je ferais bien. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Je vais retrouver hein. Un moment je vais retrouver, je vous promets. Dès que mon cerveau sera de nouveau libre. C'est-à-dire Horizon 2022. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Qu'il est nul. Hop là. Ah oui. Il a sauté. J'en fais beaucoup aussi, mais l'avantage, c'est qu'avec 8 heures de stream par jour, j'ai le temps de faire ma liste. Ouais, ouais. Moi, ma liste, la pauvre. Non! Faut vraiment que je la fasse cette emote. Non. Hein. Un jour. Un jour, l'emote, non. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Qu'il est bête le streamer. Hop. Oh mais je me jette dessus. Je me jette sur les piques. Les piques. Que j'avais fait aucun jeu de ma liste. ça donne du temps de perdre ton taf. Alors il paraît que Twitch serait composé à moitié de chômeurs. Est-ce vrai? La question reste en suspens. Enfin, je déconne en disant ça évidemment. Hop. Oui. Merci le jeu. C'est pas là où je pensais en fait. Donc là on arrive à la fin là en fait. C'est pas là du tout hein. Je me suis planté. C'est où ? Tu penses plutôt que c'est 75% toi. Ah. Oh, si c'est là, c'est dégueulasse. Il va falloir que je regarde bien. Vous, c'est pareil, hein, gardez les yeux bien ouverts. Si vous voyez la fraise, vous me dites, vous criez dans le chat. Vous criez la fraise. La fraise, sac à merde. Elle est là devant tes yeux, tu la vois pas? Espèce de gros naze. Non, c'est pas là, je peux pas recharger mon dash. Qu'est-ce donc? Je vois pas. Hein. Perso, je ne vois pas. Il y avait rien en haut. Ah ouais. On peut faire ça. Hein.
Non, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est ? Mais elle est où cette fraise ? Je trouve que j'ai déjà paumé. Ça se trouve, je l'ai déjà loupé. Ça se trouve, c'est là, quelque part. Regardez. Ça me trouble. Ça me trouble de pas la trouver. Déjà j'ai trouvé dans le bon sens, donc c'est pas une que j'aurais loupée. Enfin ça se trouve j'ai loupé mais... Pouette. Mais non, là c'est la fin. Ah, elle était où ? Elle était où cette fraise ? Non, je ne vais pas tricher. C'est faux. C'est faux, arrêtez de mentir. Voilà. C'est pas joli, hein. C'est pas joli de mentir comme ça. Je ne suis vraiment pas content de vous. Alors, le cœur. Donc celle-là, j'ai eu. Celle-là, j'ai eu. C'est une fois que j'en arrive là, paf, on tape le truc. Et c'est merveilleux. Ah! Ah mais oui, mais c'était ce passage-là. Mais en fait... Oh, j'ai fait le coup. Mais oui. Mais en fait, c'est vraiment le passage que je pensais que j'arrivais pas à retrouver, quoi. Donc, bah, on va redémarrer le chapitre. Dommage. Bon, ça a déjà les... Ah, mais je suis trop con. Ah, ça va, on a le temps, tout ça, mais... bien, ça m'entraîne. Ouais, j'ai un dash de trop là. Hop, tac, 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 tac. Et je saute entre les trucs après, évidemment. Parce que sauter... Attendez, parce que hop, j'ai pas mis la bonne fenêtre. Là, c'est mieux. Ah, faut que je me retape ça. Donc c'est ici. Ah oui, vous voyez, il y a le truc. Ah, c'est exactement ce que je voulais faire. Hein. Ah, j'ai plus de dash. Hein ? Faut que j'en éclate un, voilà.
Après que je rebondisse sur 1 et voilà. Avec tout. Petite fraise ou nette. Oh, disez-moi pas qu'il faut. Hey, salut Season. Hop. Vite, vite. Vite cacher les alertes. Ah, coucou. Comment allez-vous? Et merci pour le raid. Et bonjour tout le monde. Bienvenue. Ah, je m'ai trompé. Moi complètement claqué, mais du coup je me lance dans les défis les plus durs de Céleste, hein, évidemment, parce que je suis un génie. Ça, vous le savez depuis longtemps, hein. Ce qui passe de temps en temps, vous le savez, un génie. Ah donc faut que j'active le merdier. Non mais non là, je fais que de la merde là. Oui, tac, tac. Ok. Ah bah il y a la fraise. C'est tout? Oh là 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 là. C'était tout. Yes. Je les ai eus. Ah. Toujours pas réparé dans les alertes, toujours pas. Heureusement là j'ai des culs, le runner a fini au... Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je l'ai vu en plus. Et oui, non, c'est impressionnant, hein, ça impressionne. Faut avoir des jambes, hein, quand même. Faut quand même avoir des sacrées jambes, parce que... Eh, mais j'ai pas vu, Grand Tif, merci pour ton sub. Oh là, putain, j'ai rien vu. Et 6 mois, hein. 6 mois. Oh là là. T'es un ouf, merci beaucoup. Comment ça, rupture de stock sur les JM? C'est quoi encore ce bordel? J'ai mis un délai. 6 mois d'enfer. Quelle indignité. Vraiment, vraiment, je... Non. Non, quoi. Du coup, ouais, je faisais quoi? C'est quoi le jeu? Ouais, on a toutes les fraises. On a toutes les fraises, et donc... On peut aller ici. Et regardez, on va aller à la maison. Ah! Coucou Season, ça y est. Ça y est, tu daignes te montrer. Comment vas-tu? T'as mis combien de délai du coup? Je sais plus. Un quart d'heure? 30 minutes? Je sais plus. Plutôt 30 minutes parce que je crois que ça fait plus d'un quart d'heure que Malzekiel en a balancé. Hein, donc y a machin qui dit qu'il y a son petit oiseau qui lui a raconté des trucs. Allez, je veux voir ma tarte aux fraises à donf, là. Alors, elle est comment? Elle est comme... Oh, regardez ça. En fait, ça change rien. Ça change rien par rapport au 170, en fait. Oh... Tentez surtout que le monsieur, c'est pas la première fois qu'il tente des jeux de manière what the fuck. Ouais, non mais même, enfin il est... Faut avoir une bonne coordination dans les jambes, quoi. D'ailleurs, faut que je remercie quelqu'un chez toi qui m'a offert un sub. Ah ouais? Qui? Je boude Oud, c'est nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a le jeu? Alors je sais pas parce que moi Avorpal m'en parlant bien du jeu donc Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah il y a Badlin évidemment Bra 175 sur 175. Merci. Les combats sont à chier, le matchmaking laisse à désirer. Ah!
Ah. Bah, je ne suis pas abonné à Gamekult, donc je n'ai pas vu le test chez Gamekult. Mais effectivement, juste dans l'encart au début, ils disaient juste que c'était une honte qu'ils aient release le jeu dans cet état, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi, j'en sais pas plus. Mais a priori, ouais, à 40 balles. Et puis tu l'as payé, Season, ou... Ou il y a une clé qui est tombée comme ça, comme par magie. Ah mais Grand Tif, c'est Grand Tif qui a encore arrosé tout le monde, quoi. Du coup, ça y est. On va pleurer. La phase B du cœur. Oh, il y a un piou-piou. Coucou le piou-piou. Comment il va? Ah, faut... Ah bah, je les ai tous. Non, une amie voulait être prêt à y jouer, elle me l'a payé. Ah bah dis donc. C'est qui ta pote? Vas-y, bah, si elle veut jouer à d'autres jeux, elle me dit. Ça me va, hein. Possible, j'ai sub juste 100 personnes ce mois-là. Mais Grand Tif, qu'est-ce qu'on avait dit? Attends, on parle de quoi là? Je suis dehors, voici resto toujours ouvert, donc moyen actif, chat, je rush chez moi. On parle de Hood and the machin là. Et Grand Tif, on avait dit quoi? On avait dit les subs maintenant, c'est la moitié chez Season, la moitié chez moi. Merde! C'est fou ça! Non mais je. Oh, j'ai pas envie, hein. Attendez, parce que là je... Non, là, faut pas que je dash, en fait. La moitié ici, bah oui. Genre 100 subs dans le mois, bah 50 chez Season, 50 chez moi, quoi. Tu vois? C'est easy. Bah non, on peut pas, Blacky. Tu vois, parce que deux moitiés, après, deux moitiés, il reste pas un dixième à un moment, hein, c'est... D'accord, ok. Season va pouvoir faire ses courses. Ah, et puis moi, mes courses, personne n'y pense. Moi, je peux crever de faim, quoi. Vraiment. Ah! Non, mais tu peux le faire. Vas-y, Madeline, tu peux le faire. Oh là, l'eau, l'horreur. Season n'a qu'à manger ses chats, hein, c'est tout. Non, non, non. Oh, putain, le ouf. Non, mais non. Putain, Grand Tif, t'es ouf. Non, mais non, quoi. Oh, mais regarde, j'ai même pas d'alerte, quoi. Non, mais c'est une honte, mon stream est une honte. Oh là là là, d'accord, bon bah, l'intégralité, eh bah non, mais ouais. L'intégralité des gens qui sont venus sur ma chaîne un jour et sub. Tiens, d'ailleurs, il y a des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Vous voyez, je suis en train de me dire, il y a des gens là, ça fait longtemps. Bah, merci, grand. Non, mais t'es ouf, grand type. Non, mais. C'était. Non, mais vraiment, c'était pour la vanne, quoi. C'était vraiment pour la vanne, quoi. Un immense merci, mais. Mais genre j'ai à manger. Genre j'ai à manger, en fait. Genre attendez, j'enlève l'alerte qui marche pas. Salut Yoran. Oui, bah ouais. Et salut BMOS. Salut BMOS. J'espère que il y a Vivi aussi. Et Mookie-chan. Merci, voilà, d'être là. Et putain, mais t'es ouf, Grand Tif, quoi.
T'as 12... T'as 12 prêts pour ta voiture à rembourser, quoi. Avant de sub des gens qui font des conneries sur Twitch, quoi. Et moi en particulier, quoi. Bah ça y est, y'a tout le monde qui débarque, du coup. C'est tout le monde. Hein, mais quoi? Quoi? Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Y'a un streamer, là? Oui, y'avait moi. Ma voiture... Ouais, mais les tout... Non? Hein? Oh, le ouf. Bah, merci. Merci. Bah, pour toi. Pour toi, grand tif. Attends, t'es là. Hop. Pour toi. Attendez, je vais faire la grosse voix. Pour toi, grand tif. Je vais arriver à faire cette face B. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas tant que... Ah bah si c'est déjà payé les réparations, c'est que t'es trop payé du coup. Hein. Bon allez, bah du coup vous pouvez spam les Tony Oblove du coup dans le chat maintenant vu que tout le monde est sub. Ah putain, le seul stream où tout le monde est sub. Hein. Attention. Hein. Je sais pas comment on le passe ça. Je crois que je l'ai fait hein, sur Switch celui-là. Hein. Je crois. Donc allez-y, bah Yoran, voilà toi qui te plaignais de pas pouvoir utiliser les Tony Hub Love comme tu voulais. Et bah maintenant tu peux quoi. Putain il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ah je peux passer par en dessous. Si j'étais un gros dégueulasse, je passerais par en dessous en fait. Bon, j'essaierai de sauter aussi mais... Tu peux au moins lui faire un squat. Putain je peux même pas, je suis en caleçon. je peux pas. J'ai un jogging. J'ai un jogging mais le jogging tient plus trop. L'élastique est un peu merdique. Et je suis en caleçon. Donc je fais des squats. C'est je me fais ban ma chaîne mais genre direct quoi. Donc on va éviter. Hein. On va éviter. J'ai cru que t'allais dire pour toi grand tif. Je sais pas. Je réparais l'alerte. Ah ouais, non mais j'en ai pour tellement longtemps à réparer l'alerte. En fait, faudrait que je stream beaucoup moins. Si je streamais beaucoup moins, j'aurais le temps de réparer l'alerte. Mais en même temps, si je streamais beaucoup moins, j'aurais pas envie de réparer l'alerte quoi. Non mais je vais pas faire des squats. Non mais je me suis fait cette... Non mais... Mel Zekiel qui essaie d'arnaquer encore le game comme d'habitude, évidemment. Mel Zekiel est là que pour l'arnaque. Hein. Habille-toi bon sang, honore à ton public là. Non mais je viens de faire... J'ai fait cette borne. J'ai fait cette borne tout à l'heure, j'en peux plus, j'ai repris la course. Je suis claqué. Pour la réparer, il faudrait déjà qu'elle fonctionne. Mais non, mais elle peut fonctionner. Hein. En fait, c'est ça le truc, hein. C'est que ça peut fonctionner. Mais j'ai un peu de dev à faire dessus, quoi. Une fois dans ma vie. Mais genre, alors, les squats. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Il y en a déjà eu sur la chaîne. Il y en a déjà eu. Oh là vas-y. Oh non. Mais ah mais du coup je vais pouvoir. Bah oui non, normalement ça a dû me débloquer des slots de Zizimote là je pense. Merci grand tif. Donc je vais pouvoir mettre mon emote oh non. Qui va être évidemment la meilleure emote de tous les temps. Vu que je passe mon temps à gueuler. Non. Ah. Oh! Eh! C'est moche. Reprenez avec moi tout en cœur! Non mais faites du boogie woogie avant vos prières du soir. Vraiment. Par contre, ça vous avez le droit. Hein. Ça, je vous autorise. Le boogie woogie avant les prières du soir, c'est ok. Par contre, ouais, comment je fais après? Pas comme ça! Pas comme ça! De rien, ça fera de... ça putain, mais t'es... Oh, mais t'es... Non, mais... T'as pas autre chose. T'as pas autre chose à faire avec 250 balles. Tu veux pas streamer? Tu peux pas t'acheter du matos pour streamer, en fait? Il serait temps qu'elle arrive. De quoi... Ah, l'emote, non. Bah ouais, mais... Ouais, mais bon. Bah ouais, bah écoute... Et bah l'emote, non. Je pense que du coup, je vais demander à quelqu'un de la faire quoi. Du coup,
Pourquoi faire à part du Trackmania de manière dégueulasse? T'as vraiment l'impression que je joue bien aux jeux vidéo ou pas là? T'as vraiment l'impression que je m'énerve jamais sur les jeux vidéo et que j'ai un niveau de jeu merveilleux? J'ai je sais pas combien d'heures là sur Céleste pour faire les putains de fraises et les faces A, B, C, D, E, F. Si j'ai du temps, je peux tester de faire un truc dans la semaine. Mais j'en promets rien. C'est comme tu veux, Melzekiel, mais ouais, enfin là, faudrait que... c'est cool de faire les trucs de manière... merde. De manière gratos, hein, évidemment. C'est ça qu'on aime, hein, mais... c'est ça quand même, qu'on n'a pas de thunes pour payer les artistes, mais à un moment, oui, il en faut... Merde. Dommage. Allez, on peut le faire. On peut le faire, je crois en moi. Allez, pour Grand Thief. Ça, c'était con, par contre. Ah, il y a des pics en haut. Attention, il y a des pics en haut aussi, il faut faire gaffe. Me demande pas à moi, je suis déjà pas fichu de faire la mienne. Non, mais je demanderai vraiment à quelqu'un qui en fait, quoi. Je t'ai host à être souris. Merci Behemoth pour le host. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais du coup, qui... Attendez, il faudrait que je reprenne la liste. Qui est devenu sub? Ananashost, Quigben, Season, Mookie, Folline, Majolnir, Tiger Geo, Robotfly, Anton, Tsuru, The JB, Essing, Tisku, Volvinae, Sacribal, Vivi, Guy from Heaven, Rosalie, Iswa, Behemoth, Twinsen, Mash Libre, Chipoflet, Zelnimda, il y en a certains, je les connais pas, Certificator, Judge, The Crisou, Oracle, Abaddon, Dadao, Nedelir, Mr. Froggins, Jake MC, Dark Spring, Yoran, Luparcifer, Koryu, Jérôme, Petit Renard, Nat, Boulé, LJF, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu lui, Naruda Monster, il est où LJF? Nelfim, Numberity, Mikage, Cactus Singer, Trace, Edwardine et Ninish. Donc voilà, pour tous ces gens-là, merci Grand Thief. Pour les intermittents du pestacle. AFK Popote pour Blacky, bah à tout à l'heure Blacky. Tony Hop, si t'as des sous à l'occasion, bah maintenant, maintenant j'en ai ouais. Techniquement les 19 viewers actuels, bah ouais voilà, fallait être là. Hein. Super tous mes viewers, ah oui, n'hésitez pas hein, maintenant sur le chat de Season, vous balancez des canards et vous balancez des Tony Hop rage dès que vous avez l'occasion. Hein. Ça c'est évidemment, merde même LJF, bah LJF quand même, la seule personne de Twitch... qui a été abonné à 50 chaînes et qui n'a jamais payé. Hein. C'est le seul, hein. C'est le seul de tout Twitch. Hein. Je vais bosser sur les plannings qu'on fasse. Rue de la Rage 4 à 3 avec Averpal. Ouais, ça, j'y ai pensé, donc ouais. N'hésite pas. Et BMOS, ouais, faudrait que je passe. T'en fais souvent pas du Mario Kart avec les viewers ou pas? Parce que ouais, donc du coup, je t'ai ajouté hier, mais ça serait cool de... Ça serait cool, en fait, de... De le faire avec toi, quoi. Si je fais un truc, ce sera juste pour le plaisir, Melzekiel. Certificator, c'est un nouveau nom, j'ai jamais entendu parler. Eh, mais Bibi est pas dans la liste. Bibi, elle est pas. C'est rigolo. C'est bien fait. Elle avait qu'à être là. Voilà. Neruda, c'est chez moi, ça. Bah, il passe régulièrement. Enfin, je dis il, mais je pense que c'est. Je pense que c'est un mec. Demain soir, on met ça à 20h30. Ah, je serais peut-être là, du coup. Je serais peut-être là.
Un an sans payer un sub chez Season quand même. Non mais il a fait ça partout je crois, LJF. Hein. LJF il est sub partout. Il a jamais, jamais taxé la carte bleue de sa maman. Hein. Alors que bon, hein, il pourrait quoi. Oh, oh le génie. Vous avez vu, vous avez ça, vous avez vu ça. Salut robot. Salut, salut. Si il l'a fait une fois, il a présenté ma chaîne à sa mère, il a dit je peux avoir un mois de sub une fois. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Pauvre maman de LJF. Hein. On peut en profiter pendant qu'il est pas là pour dire des saloperies sur lui. Oh là là, sa pauvre maman quoi. Je rappelle, je me suis fait arnaquer mon badge first parce que j'ai gagné le premier abo de la chaîne. Et que ça compte pas, car offert et non pris personnellement, c'est nul. C'est de la faute de Tony Hub. C'est vrai que oui, effectivement, ouais. Effectivement, je t'avais payé le sub. C'est vrai. Ah mais non, faut faire ça. Oh là là, oh là là. Oh, oh l'horreur. Ah puis évidemment, je pense qu'il faut garder le deuxième dash pour la fin. Regardez, faut faire comme ça, hop. Et ne pas tomber. C'est nul. Regardez, hop. Là, je fais comme ça. Non, ça c'est nul aussi. Oh, oh, là. Oh la phase B quoi. Ok. Donc après je me retrouve avec deux dash, donc il va falloir que j'utilise les deux en fait là, sur la fin. Hop là, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez, pique. Ouais, ça fait mal. Les plus vieux d'entre vous auront évidemment la ref. Mais pourquoi j'utilise pas directement le dash en fait? Je suis un gros sac. En fait, faut pas que je repasse de l'autre côté après. Là, faut que j'utilise juste mon dash direct quoi. Hop, regardez ça. Tac. Dash comme ça. Ah non, j'en ai plus qu'un. Pourquoi j'en ai plus qu'un? Allô? Aïe. Essayez de dasher entre les pics en regardant le chat. Ça marche pas, hein, je vous rassure. Faudrait avoir des yeux en plus. Vous savez, streamer, on a beaucoup d'écrans. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? On a beaucoup d'écrans, mais on a que deux yeux, malheureusement. Il nous en faudrait plus. Tu me diras, ici non plus, je suis pas modo. Oh là là, le mec il veut payer pour être modo quoi. Pas d'achat comme ça, hein. Attention. Hein. Je serai incorruptible. Après, après on peut en discuter en MP. Hein. après on peut en discuter en MP quoi. Mais là, devant tout le monde, Grand Tif, je te le dis, je suis incorruptible. Après, faut voir. Coucou, petit renard. Comment vas-tu? Ah. Encore merci, Grand Tif. Hein, vraiment. Ça va bien, je vais partir en prac. Attends, tu m'as dit la dernière fois ce que c'était. Tu m'as dit la dernière fois ce que c'était, j'ai déjà oublié. J'ai déjà tout oublié. Putain, le streamer a 4 secondes mémoire, hein, c'est moi. N'hésitez pas. Pourquoi j'ai plus qu'un dash? C'est une connerie. Ah bah oui. Évidemment, parce que j'en utilise un là. Je sais pourquoi j'ai plus qu'un dash, c'est parce que j'en utilise un juste avant en fait. Regardez, c'est là, j'en utilise un. Aïe. Mmh,
ça peut passer comme ça. Ça peut passer comme ça. Ou alors, faut que je saute de l'autre côté, mais... Mais non, mais... Oh, quelle grenasse. Ça fait 12 fois là que je le fais, mais... Aïe. Wineruda, tu as eu un sub-gift comme à peu près l'intégralité du chat. Et bah bisous petit renard, merci beaucoup d'être passé et d'avoir remercié Grand Tif. Hop. Mais non mais... Je vais y arriver. C'est les phases B hein. C'est pas évident. Vu tes talents de... Ça, les talents de cuisinier, ça prend hein. C'est comme tout hein. Moi avant de savoir faire à manger, je savais pas faire à manger hein. Moi j'ai commencé à faire à manger vraiment, alors j'ai commencé à manger du fromage et à me faire à manger quand je suis parti chez mes parents. C'est-à-dire que tant que je vivais chez mes parents, bah c'était pratique parce que bah, c'est eux qui faisaient la bouffe. Hein. Donc j'avais pas trop à m'en soucier. Et quand j'ai commencé à vivre seul, et bah, j'ai commencé à me dire oh, tiens je vais acheter ça, je vais essayer ça, et puis je vais faire ça. Et puis finalement en fait, je me suis mis à faire à bouffer quoi. Et évidemment avec la pratique, ça vient tout seul après. Oh là là. Je sais pas s'il faut que je fasse un... Si il faut que j'arrive à faire un truc tout droit. Ouf. Dommage. S'il faut que j'arrive à faire un truc tout droit ou s'il faut que je fasse un dash en diagonale ou pas. Hop. C'est passé. Le jeu était sympa hein, parce que il y avait une petite hitbox pique là. Oh le pire, les bumpers de flipper quoi. Bon, finalement easy celui-là. Pour les personnes qui savent pas faire à manger, manque d'envie, veulent éviter la charge mentale, il y a 1€ un repas qui fait des listes de courses, repas par semaine, assez équilibré et très simple à faire. Ok. Ouais, mais pour les gens qui aiment vraiment pas faire à manger, est-ce que. Parce que Melzekel, toi, de ce que j'ai compris, voilà, t'aimes bien faire à manger quoi donc. Ouais, donc c'est pas du tout maintenant qu'il faut que je le. J'attends un peu. Ok. Alors donc faut que je sois bon mais pas trop bon. Parce que si je suis trop bon, voilà, je m'éclate là-haut. Donc faut que je sois fort mais pas trop quand même. Donc voilà, faut pas que je saute. Non, si je saute pas, ça marche pas. D'accord, pour ça ok. Non parce que moi, enfin voilà, j'ai tendance moi par exemple à dire non mais vas-y tu peux faire ça, c'est pas compliqué, tu fais ta pâte pour faire ta quiche, ça prend 2 secondes. Donc effectivement, mais quand t'as vraiment pas envie ou quand t'aimes vraiment pas ça, voilà, et les gens vont pas se faire chier à faire une pâte pour faire une tarte derrière, une tarte salée. Non, c'est trop tôt. Il faut qu'il soit où le truc? Faut qu'il soit à la moitié à peu près, c'est ça? La moitié, hop, je saute, je dash. Bon, faut qu'il soit plus haut que ça. Là. J'ai pas sauté, je suis trop un nul. Là. C'est de la pâte? C'est du suc? Vous prenez la pâte, vous mettez du suc dessus. Une tarte au suc. Oh, je passe 3 heures à faire un repas que je vais manger en 15 minutes. Et bah je suis un peu pareil. Ah mais merde. Mais non, puis j'ai même pas regardé quand est-ce que je sautais en plus. Ah putain, quel con. Là. Hop.
Oh là là, c'est infernal. Mais non, c'est pas maintenant, c'est pas moi. Pas maintenant. Pas maintenant. Par contre, maintenant, je peux. Hop là. Allez, salut, hein. Mais elle glisse. Elle glisse. Elle a plus d'endu. Infernal, mais on fait un quoi? Et si je vais très vite, comment on fait? Hop, hop, tac, tac, tac. Non, ça marche pas non plus. Comment qu'on passe? Comment qu'on passe? Comment qu'on passe? Oh, mais je saute dans les pics, mais je suis le pire, je suis le pire. Et pourquoi je vais à droite? Allez. Ah, c'est la bonne, j'y crois. Regardez. Hop. Hop, hop. J'ai un dash? Putain, j'avais encore un dash. J'aurais dû l'utiliser. Non! Putain, j'y étais. j'ai hésité, c'était la pire connerie à faire, c'était hésiter quoi. C'était la pire connerie à faire d'hésiter. Oui. je me suicide derrière. Comme le vin, 3 heures de boulot pour remplir une bouteille, 5 minutes pour la boire. Attention à ta consommation de vin, grand if, si c'est ça. Hein. C'est chaud. Ça, ça va. Après, faut arriver assez loin là. Faut arriver assez loin, mais pas trop loin non plus. Sinon, c'est contre-productif. Le vin, ça sert à faire des sauces et encore. Ouais. Faut mieux remplacer par de la bière, c'est mieux. Et non, mais j'ai peur. Après, faut. Faut aller vite sur le mur après, hein. Trop. Je l'ai vu au moment où je partais. Aïe! Oh là là, mais faut sauter tellement, tellement tôt quoi. Trop bas là. Trop bas, trop bas. Trop bas encore. Tu es déjà de retour, Blacky. Enfin, c'est pas que... Non mais je voulais sauter. Je voulais sauter. Je vous promets que je voulais sauter. J'ai pas réussi. C'est mes doigts qui ont pas voulu. Hop, voilà, regardez. Hop, hop, hop. Oh là, j'y ai même pas touché. Génial. Génie. Oh putain, je déteste le jeu. Je déteste ce jeu. Vous l'ai-je déjà dit? Oh, en fait, il est génial. En vrai, il est génial, hein, mais... Ah! Je m'ai accroché.
Oh, oh les salauds. Oh les salauds. Ah non, d'accord, le premier faut que je le passe naturellement, d'accord, ok. Enfin, naturellement, faut que je le passe. Oh les sagouins. Les sagouins. Ah, les premiers, ça va. Je me rappelle celui-là d'avoir passé vachement de temps dessus. Hein. Et là, ça s'est plutôt bien passé. Ah, putain. Il se termine quand ? Enfin, il se termine quand cette phase B là ? Histoire qu'on commence l'effacer, qu'on commence vraiment à pleurer. Faut pas 2 heures pour faire une salade avec les fonds du frigo. Même des fois, il faut juste nettoyer le frigo. Hein. C'est juste, vous passez un coup d'éponge, et tout ce que vous récupérez, paf, dans une salade. Quel pire JM que l'on pourrait faire accepter à Tony Hub. J'ai pas beaucoup de limites en même temps, donc c'est peut-être un problème d'ailleurs. Dans le genre, passer pour un abruti et faire des conneries... Je suis assez balèze et on doit pas avoir le même frigo. Non mais mon frigo il est nettoyé tout le temps donc on peut y aller. Hein. On peut y aller, tu peux manger dans le fond de mon frigo si tu veux. Et pas parce qu'il y a des trucs dégueulasses dedans hein, parce que vraiment... c'est un truc... Histoire. Hop, voilà, fun fact. J'ai eu une ex. Et quand on a décidé de déménager ensemble, on avait un appart où il y avait déjà un frigo, la cuisine était aménagée. Il y avait un frigo. Et donc du coup, on avait besoin d'un quoi. Et Oua m'a proposé. Et Claveline qui s'abonne. Claveline qui n'a pas eu son sub et qui s'abonne. Merci beaucoup Claveline pour le 5e mois. Ça me fait extrêmement plaisir. Et donc cette ex, voilà, on cherchait un frigo. Et là, elle m'a dit, mais ça tombe bien. Mon frangin déménage, enfin emménage avec sa meuf. On a qu'à récupérer son frigo. Le frangin en question, je l'ai déménagé. Enfin, j'ai aidé à déménager. Et donc, il avait laissé débrancher son frigo pendant plusieurs jours, histoire qu'il soit débranché et puis bien arrêté, quoi. L'odeur. L'odeur dans le frigo. Je pense qu'il n'avait jamais nettoyé son frigo. Et en plus de ne jamais avoir nettoyé son frigo, il avait très probablement fait tomber des trucs dedans, genre du lait. Enfin, fait couler du lait, des sauces, des trucs comme ça, quoi. Donc évidemment, tant que ça reste à 5 degrés, ça va, ça moisit pas trop, quoi. Ça prend son temps. Par contre, dès que vous le foutez à 30 degrés, en plus c'était l'été, dès que vous le foutez à 30 degrés, évidemment, l'odeur est immonde. J'ai dit à ma nana que la seule manière qu'on récupère son frigo et qu'on l'utilise, ça serait de le passer au lance-flamme avant. Bizarrement, elle n'a pas voulu passer le frigo au lance-flamme. Et donc on n'a pas réutilisé ce frigo quoi. Et le truc, mais il est immonde. C'est immonde. Vraiment. J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse quoi. Nettoyer on a... Non mais... Je sais pas comment on peut se laisser aller autant comme ça pour que faire arriver avec un frigo qui est dégueulasse comme ça quoi. Il faut que je garde un dash en plus. Que je garde un dash.
Faut que je décale sur la gauche pour revenir sur le truc. Là, je le savais que j'allais mourir. Parce que c'était plus le même timing. Non mais je dis décalé sur la gauche, je file pleine balle à droite quoi. Hop. J'ai dit à gauche hein, je confonds ma gauche et ma droite. C'est pas vrai du tout hein, mais faut trouver des excuses. Hein. Dans le bon timing, c'est bizarre. J'arrive trop tard, comment ça se fait? Ah zut, j'ai réussi. J'ai réussi à faire le con. Dommage. Salut Winsen. Ah là là. Mais non, c'est pas l'enfer ces niveaux, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je crois Blackie que tu t'es fait griller ton Jean-Michel à vous. Y'a Melzekiel qui a réussi à le repécho avant toi. Ah, j'aurais dû temporiser. Merde. Merde. Un petit thé comme Tony Hub. Ah. Attendez. Thé comme Tony Hub. Thé comme Tony Hub, c'est tout de suite. Ah mais oui, c'est chiant le... C'est chiant le comme... Tony Yob. J'ai 11 questions. La mienne plus les 10 premières des viewers. Quelle tu l'amour peut rendre la plus intéressante des femmes, la moins intéressante à tes yeux? Et un R comme Rabia. R comme Rabia. Un tue-l'amour, qu'elle soit qu'elle soit de droite. Voilà. Vous voyez par exemple, si Scarlett elle est de droite, et bah c'est non. Pourtant Scarlett hein. Merde. Celle qui garde les chaussettes au lit. Alors ça franchement ça me pose aucun problème. Vraiment si elle a froid au pied. Si elle a froid au pied, bah enfin c'est. Elle est juste humaine quoi. Donc ça me va. Non de droite politiquement parlant j'entends. Ah oui d'accord, c'est bon.
Non mais mettez-moi des niveaux durs quoi. Donc une question. Ouais voilà, il en reste 10. N'hésitez pas, vous me posez n'importe quelle question, j'y réponds. Franchement, ça me pose pas de problème. Hein. Je pense pas que vous arriverez à trouver une question qui me fera rester quoi. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est dommage ça. C'est bien dommage. Oh là, il y a Rabia qui commence à me saouler. Attendez, je vais voir Rabia. C'est bon. désolé Melzekiel, il a pas grand succès ton Jean-Michel. Hein. Tu vois, les gens ont peur. Les gens ont peur de me poser des questions. Ok, je temporise un peu. Ok, faut que je fasse moins le con. Non, j'ai fait une diagonale. Pourquoi appuyer sur le bouton démarrer pour fermer un ordinateur? Eh bien, écoute, ça n'est pas le cas sous Linux. C'est pas le cas sous Linux et c'est pas le cas sous Mac non plus, donc ta question n'a point de sens. Non, j'ai fait une diagonale, oh, quel con. Grand If, pourquoi? Parce que. Non. Parce que. Non, mais si j'ai une question, je te la pose. Mais là, du coup, j'ai pas d'idée croustillante. Quel est le pire cadeau que tes amis, genre Black Hacker, t'aient offert? du canard WC. C'est pas une vanne. Hein. C'est pas une vanne. On m'a vraiment offert du canard WC. Alors pour la petite histoire, on m'a offert du canard WC parce que c'était mes 30 ans. Et évidemment, voilà, le coin-coin, vous avez, enfin le canard, vous avez compris pourquoi. Et c'était à mes 30 ans. Et pour mes 30 ans, en fait, cette bande d'idiots m'a offert 30 cadeaux. Et donc il y avait 30 conneries globalement. Enfin, il y avait pas mal de conneries et il y avait des cadeaux sérieux. Et donc tous avaient à peu près une histoire où voilà, il y avait un petit clin d'œil. C'était assez sympa. Mais donc ouais, on m'a vraiment offert du canard WC quoi. Oh là 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 là, j'y étais. Mais non, je l'ai vu. Y a Twinsen qui va être en train de... qui va vous niquer toutes vos questions sérieuses. Hein. Ou les questions qui ont rapport avec moi. Hein. Pourquoi on tombe toujours sur le côté de la notice quand on ouvre une boîte de médicaments? C'est la loi de l'emmerdement maximum, c'est normal. C'est comme exactement la même loi qui régit le fait que la tartine tombe toujours du côté beurre. Ou du côté confiture. En fonction de si vous mettez du beurre ou de la confiture dessus, évidemment. Non, il fallait que j'aille plus vite.
Non, j'ai fait une diagonale. En vrai, si on me posait la question, je crois que je serais incapable d'y répondre. Pourquoi un chat plutôt qu'un chien ? Parce que j'ai pas aimé les chiens pendant des années et je me rends compte que maintenant je serais plutôt chien en fait. Après, ce que j'aime chez les chats, c'est le fait qu'ils soient assez indépendants. Et donc Rabia, je n'ai pas besoin de l'emmener faire son pipi et son caca tous les jours. Elle se débrouille toute seule, même si de temps en temps elle se débrouille pas au bon endroit, mais elle se débrouille toute seule. Et c'est pour ça que voilà, un chat c'était moins de contraintes qu'un chien de base. Hop là. Quelle est la pire crasse que t'aies faite à un membre de ta famille ou à un ami ? Il y a Twinsen qui est vraiment en train de niquer toutes les questions. Hein. La pire crasse que j'ai faite ? Là honnêtement, alors ça va faire le mec, non mais j'ai jamais fait de crasse. Mais j'ai du mal à... J'ai du mal à trouver là. J'ai du mal à trouver. Je crois pas avoir fait des crasses. Du moins pas sciemment. Pas en me disant je vais te faire ça et c'est bien fait pour ta gueule. Du moins pas de la famille ni à des amis. Enfin sinon voilà, il n'y aura pas de. Ce sera pas des amis quoi. Je fais pas des crasses à mes potes ni à ma famille, donc. Je sais pas trop. Pourquoi faire des faux tiroirs sous les éviers ? Alors. Le saviez-vous ? J'ai vu une annonce. Alors, on aimait bien dans un. Je vais le refaire. On aimait bien dans un ancien job regarder les annonces d'appartements parisiens un petit peu rigolos. Et on a vu une fois un appartement avec les toilettes sous l'évier. Je vous promets, c'est pas une blague. Je vous promets, c'est vraiment pas une blague. Il y avait les chiottes, il y avait un petit tiroir en fait, et en tirant dessus, ça ouvrait une trappe, et dans la trappe, eh ben, il y avait les toilettes quoi. C'est pas une blague. Merde. Twinsen, il mériterait un 60 secondes pour anti-jeu. Arrêtez, Twinsen, c'est déjà la personne qui se prend des TO le plus souvent sur la chaîne, quoi. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, pourquoi c'était pas le bon truc activé, là ? Parce que je suis allé trop vite. Ah, j'ai compris. En fait, c'était bien le bon truc activé, mais je suis allé trop vite, en fait. Je suis trop bon pour le jeu, là. Il comprend plus. Tu me rendras mon t-shirt par contre. Comment ça hein? Ah, quand t'es venu l'autre fois dormir à la maison, c'est ça? Quand on a couché ensemble, Grand Tif, c'est ça? T'avais laissé ton t-shirt. Je l'aime bien, je m'en sers comme, comme t'es d'oreiller, ça me rappelle toi, il y a ton odeur dessus. Grand fou. Oh ! Quelle naze. Vous avez vu, j'ai pas dit non. J'ai pas fait non. J'ai dit quelle naze. C'est différent.
faut vraiment l'envoyer droit, quoi. Ouf, ça a marché. Oh, non, mais non. Faut que je temporise, en fait. Vraiment, pour que éviter que le froid descende trop vite. Quand je suis là-haut. Voilà, là j'attends. Là j'attends, là j'attends, là j'attends, là j'y vais. Et là forcément je me suis planté là-dessus quoi. Ah ! Plutôt gourmand, salé ou sucré ? Clairement salé, sucré. Le mec il dit l'inverse de ce qu'il pense. Clairement sucré. Je suis gourmand, mais raisonnable. Et heureusement ça me sauve. Vu la rage sur les jeux plutôt salé. Mais quel salaud. Et non, je suis quelqu'un de sucré. Par contre ouais, faudrait voilà, les diagonales. Merci. Ah trop loin. Je suis trop bon au jeu. Je suis trop bon au jeu donc du coup je vais trop loin. Trop mauvais au jeu donc du coup pas assez loin. Ah zut. Heureusement que je t'avais pas envoyé une saucisse de morteau. déjà je pense que la saucisse de morteau, le voyage... elle aurait pas kiffé hein. Les trucs sur un niveau sont vraiment pas simples. Mais ouais, les bumpers, je trouve que ils sont vraiment durs. Hein. Ils sont vraiment durs. Il nous a avoué que sa pizza préférée était hawaïenne double ananas rôti. Honnêtement, les pizzas avec ananas, j'aime bien. J'aime bien le sucré salé. Moi, pizza ananas, ça me dérange absolument pas. Hein. Et si ça vous dérange, et bah... laissez les gens bouffer comme ils veulent. Hein. Aucun souci, mon ne plus. Ah, voyez. Et là, tout le monde se casse du stream. En mode ah non. Hein. Le mec il bouffe des pizzas. En même temps ça fait longtemps que j'en ai pas mangé une. Hein. Oh, quelle gros naze. Chaque personne met bien ce qu'il veut sur sa pizza. Exactement. Et même si vous voulez ne pas. Si vous n'aimez pas les pizzas, ce n'est pas grave non plus. Ici tout le monde est accepté. Sauf les fascistes. Merde. Mais non, bah c'est trop tard maintenant. Oh là là, mais je vais pas y arriver quoi. Mais je sais que dans le chat, il y a une personne qui n'est pas d'accord avec ça. Je dirais pas qui. D'accord. C'est quoi ta définition de longtemps? Parce que c'est pas la semaine dernière. Tu t'en as pris une géante? Non. Enfin, j'ai pris une pizza, mais j'ai pas pris une pizza à l'ananas. J'ai pris une pizza végétarienne. C'était pas du tout une pizza à l'ananas. Eh bah. Qu'est-ce que je fous? D'accord. Ah d'accord, ok, faut sauter après, ok, ça marche.
Ah non, j'ai sauté pile entre les deux. Hein. Ouais, du coup, tout était décalé. Et là, j'ai pas du tout sauté quand il fallait. Dommage. Mais arrête, fais une diagonale, bordel. Voilà. Ça, c'est une belle diagonale. Ça, c'était nul, par contre. Ah, j'ai sauté. Du coup, je veux me presser et je fais de la merde. Ah ouais, faut attendre. Nul. La pizza Hawaii, j'ai du mal avec le principe, mais bon. J'ai bien dit une pizza, pas une hawaïenne aussi. Faut être précis. Vous êtes chiés tous là. Vous pouvez pas me laisser jouer à mon jeu. Faut que c'est pas assez dur comme ça. Faut en plus que je réfléchisse à ce que je dis. Déjà que j'ai du mal à... Déjà ? As-tu remarqué, Blacky, que j'ai fait un effort extrêmement grand ce soir et que je n'ai quasiment pas mal lu j'ai aucun message. Hop, se jette dans le feu. Il fallait attendre. Oh bravo. Hein ? Ah ! Nul. Nul. Nul, 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 nul. Pourquoi sur le clavier les lettres JKLM sont ensemble et le reste c'est le bordel? Eh bien c'est que c'est pour la navigation dans VI que les touches JKLM sont comme ça. Tout le monde sait ça, voyons. Tout le monde sait ça. Si j'en ai raté. Ah bah voilà, non c'est ça, tu vois, je disais oui, j'ai pas lu les messages à côté quoi. Crotte de bique, crotte de bique. Petite bique. Aïe. J'ai raté des messages. Bah vas-y. Dis-moi quel message j'ai raté. Mais ouais. Ah ouais. Mais oui, en fait, je suis trop long, en fait. Je suis trop long. J'irai me coucher moins con ce soir avec l'histoire du JKLM. Non, mais c'est une blague, en fait. C'est une vanne. C'est parce que les touches sont côte à côte que l'éditeur VI a choisi, en fait, ces touches-là pour naviguer dans le texte. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas la cause, quoi. C'est la conséquence, c'est pas la cause. Bah le mien déjà, ou alors t'as pas... Ou alors tu l'as lu que pour toi. Je sais pas, ouais, donc du coup j'en ai vraiment raté un. Ça me dit rien, donc... Pourquoi les poils de chat se collent sur nos manteaux, mais les pluches de manteaux ne se collent pas sur les chats? Les chats se lavent. Réalisation des touches de clavier vient en partie de l'époque des machines à écrire pour éviter de... Merde, ça a bougé en même temps. Que les marteaux... ne se bloquent les uns les autres. Ouais, mais pourquoi JKLM par exemple sont côte à côte quoi? Chat suffit. Eh bien oui, il faudrait repenser les claviers. Petit clavier orthogonal Beppo. Bon, vous le voyez pas parce que j'ai à peu près 1 cm de câble dispo. Mais pourquoi les chats sont la vautant d'ailleurs? Bah, parce que c'est pas des gros dégueulasses comme nous. Comment faire? Mais comment faire? Comment lui dire? Comment lui faire voir? Hop. Putain, faut aller super vite quoi. En fait, ici. Voilà. Et après, faut aller super vite. Ouais, ok. Donc,
Ah, tac, tac. Là, faut aller vite. Là, faut que je perde un peu de temps. Et après, la gouache. Et là, c'était pas la gouache du tout. Là, vite. Ah, on peut faire comme ça. Est-ce que je vais y arriver à le refaire? Non. Aïe. Zut. Fin des questions. Ah ouais, t'as compté. Alors comme ça, on a un petit câble. Hein? Plutôt Pepsi ou Coca? Aucun des deux, et tu le sais. Hein, je ne bois absolument pas de soda, ni Pepsi ni Coca. Je trouve ça dégueulasse. En réalité, c'est pour camoufler leur odeur. Ah, vous imaginez si on faisait pareil? La journée, au bureau? T'as dit que t'avais un câble de 1 cm. Bah ouais, écoute. J'ai pas besoin de compenser avec des gros câbles de... J'ai rien à compenser avec des gros câbles de clavier, donc... Voilà. Merde, faut que je saute avant en fait. Faut vraiment que je saute avant, quoi. Là, je temporise. Là, je saute à côté. Hop, 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 hop. Ah mais non, je peux plus sauter dessus après. Hein. Ah, temporisation. Temporisation. Non, puis j'ai pas des gros câbles. En plus, là, ils m'en ont coupé la moitié, là, des câbles, alors... ils m'ont coupé la moitié des tuyaux, moi... ouais, c'est plus pareil. Hein. C'est plus pareil maintenant, hein. Allez, vas-y. Non mais... Mais non mais... Oh là là, c'est inferno. C'est inferno. On va y arriver. Je suis sûr qu'on est pas loin de la fin. Oh, oh, quelle horreur. Oh, j'y étais presque. Non! Oh merde! Oh, je suis trop con! Eh, je peux lâcher en fait! Non, mais attends, est-ce que je peux lâcher? Eh oui, je peux lâcher, je pense. Non? En fait, je, comme un con, je reste appuyé comme un débile, mais. Bon, là, c'était nul, mais. Ah ouais, je peux faire ça en fait! Voilà, il suffisait juste de marteler le bouton. Oh là là. Je sais bien, je faisais rappel à une joke d'un stream un dimanche avec un viewer à côté de la plaque. Avec ton cerveau de 4 secondes. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il est jamais revenu, je crois. Hein. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait partie des gens qui ont été sub par Grand Tif? Parce que c'est quand même quelqu'un, je crois qu'il a follow, hein. Il me semble qu'il avait follow, il est jamais revenu. Hein. Moi j'ai un long multipair, et bah bravo à toi. Faudrait que je compense avec un énorme câble alors, vu mon micro zizi, c'est pas grave. Hein. Honnêtement, BMOS, c'est pas grave. Hein. Après je ne connais pas tes... je ne connais pas tes préférences sexuelles, mais... Si tu es hétéro, avoir un gros zizi, honnêtement, ça sert à rien. Hein. C'est, si avoir un gros zizi, ça servait à donner plaisir aux filles, ça voudrait dire que les lesbiennes, par exemple, ont beaucoup de mal à prendre plaisir. Or, les stats qui ressortent, c'est qu'il y a beaucoup plus de nanas lesbiennes qui prennent leur pied à chaque rapport que de nanas hétéro qui prennent leur pied à chaque rapport. Et...
Et ouais, c'est plutôt 50% chez les nanas hétéros et c'est plutôt 75-80% chez les nanas lesbiennes. Donc, a priori, le zizi ou le gros zizi n'a rien à voir avec le plaisir qui est donné. Donc, toi et ton micro-pénis, vous êtes plutôt ok quoi. Si vous voulez rire, j'ai une news digne du Gorafi, mais qui m'annonce vrai. Aux États-Unis, les anti-masques, anti-vaccins vont se mettre à porter des masques. Oui, oui. Oui, parce que les personnes qui ont le vaccin, ils ont développé une théorie comme quoi l'ARN messager pouvait se diffuser à travers l'air. Alors, je me demande pourquoi on vaccine les gens, parce qu'en fait, si le truc peut se diffuser à travers l'air, c'est complètement débile. Mais oui, 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 non, j'ai vu ça, ouais. T'avais offert un sub à quelqu'un que tu as ban le lendemain par contre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai quelqu'un, voilà, à qui j'avais offert un sub. Bah, c'était le centième. C'était le centième follow. J'avais dit le centième follow, bam. Sub. Et donc, je l'avais sub. Et le mec s'est trouvé être un connard fini. Et je lui demandais d'arrêter de parler religion. Enfin, on parlait religion. Ça, c'est pas un problème. On peut parler religion, y a pas de problème. Mais le mec commençait à dire, de toute façon, il n'y a que ma religion qui est bien, les autres c'est de la merde. Donc je lui ai demandé d'arrêter de faire du prosélytisme comme ça, et il ne s'est pas arrêté. Donc il s'est fait ban le lendemain du sub. Voilà, donc c'était mon centième follow. Et Blacky qui dit, l'important c'est pas la taille, c'est la façon dont on s'en sert. Eh bien non, en fait, l'important c'est pas la taille, c'est pas la largeur, la bite c'est pas important, tout court en fait. Voilà, c'est ne vous en servez pas si vous voulez faire plaisir à une meuf, ne vous servez pas de votre bite, servez-vous de votre tête. Quand je dis votre tête, c'est pas la faire jouir avec des poèmes, hein, mais dites-vous qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir quoi, plutôt que je vais mettre ma bite, ça va être super. Si le sexe était une question de plaisir, les femmes se feraient moins pénétrer et les hommes plus. Exactement. Bravo Claveline. Bah, j'aime bien Claveline, voilà. Tu ne parles pas beaucoup sur le chat, mais quand tu parles, c'est pour dire des trucs vachement bien. J'ai vu passer le titre, mais j'ai pas lu l'article. Ouais, c'est lui qui avait lancé le sujet sur le reste, mais bon. Maintenant, il y a 100. Putain, mais t'es un ouf. 100 subs. Combien ? Et il est là ce soir. non, il est ban. Hein. Il est toujours ban. Hein. En fait, sur le coup, j'ai voulu le time out. Oh, Yoran, bravo. Hein. attends, Yoran. J'espère que tu m'entends, Yoran. Bouf. Bof. Tu auras compris évidemment la ref. Et donc ouais, ce merdeux, le centième follow, je voulais juste le time out, en fait je me suis gouré, je l'ai ban quoi. Je voulais le time out à un petit 600 secondes histoire de le calmer, et finalement je l'ai ban et je me suis dit ouf, c'est pas plus mal. Oui, mais ça fait mal d'entrer la tête. Oh là là. Oh là là, grand tif. Comment as-tu osé? En vrai, posez-lui la question et laissez-la vous guider. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Hein. C'est valable dans l'autre sens aussi. Hein. Quand vous êtes une meuf, posez la question au mec. Et quand vous êtes deux mecs, posez-vous la question entre vous. Quand vous êtes deux meufs, posez-vous la question entre vous. Et quand vous êtes des animaux... Ah! C'était la question, c'était le truc piège. Il ne faut pas être avec des animaux. C'est interdit. J'ai envie de clipper, c'est terrible. Bah, clip tout ce que tu veux, hein, honnêtement, c'est fait pour ça. Mais ban, tu peux être sur la chaîne, c'est juste qu'il peut pas interagir avec nous. Ouais, non, je sais. Hein. Ça se trouve, il est là. Ça se trouve, il est là. Bonsoir à toi. Rebienvenue. Et j'ai été très content de te ban. Bisous. Toi, faut dire servir de sa tête. Moi, je suis perdu.
Combien de temps que t'as pas eu quelqu'un, Grand-Ti? Hein? Parce que utilise pas ta tête comme ça, hein. Si tu utilises ta tête comme ça, oui, non, ça n'a pas marché, hein. L'homme étant un animal, c'est pour cela que les femmes préfèrent les femmes. Non mais Homo sapiens c'est un animal, hein, donc les femmes avec. Oh, merde, j'arrive même pas à sauter là quoi. Ça c'est moche. Hein. Ouh là là c'est moche. Je l'ai loupé. Je l'ai trop bien réussi. Ah, je l'ai foiré. Les femmes ne sont pas des animaux, ce sont des poussières d'étoiles. Ah non, non, mais elles n'ont pas été... elles n'ont pas été créées dans la côte d'un homme, tout ça. Juste tout pareil, hein, juste tout pareil, hein, vraiment. Hein. Après, biologiquement, tout pareil. Hein. Après, la société fait qu'on évolue dans deux manières différentes. Mais c'est uniquement comment on est éduqué, quoi. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Hein. Donc femme, homme, c'est... pareil. On est des animaux sociaux. Sur ces bonnes paroles, je suis le mort posé. Passez une bonne soirée chez Tony Hub, c'est toujours excellent. Et des bisous BMOS. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup à toi. Et donc ouais, peut-être demain pour du Mario Vroom. Ça pourrait être assez cool. Ça avait l'air plus simple à GDQ, ouais effectivement. Non mais j'ai mis le mode difficile. C'est pour ça. C'est pour ça en fait. C'est parce que moi j'ai mis le mode difficile parce que sinon il joue en mode facile à la GDQ, hein, on le sait. J'étais trop bas. Non, oh, c'est passé. Quelle horreur. Quelle horreur. Et là je pense que celui-là faut que je le passe, voilà, sans utiliser mon dash. Ah. Non mais tellement nul. Tellement nul. Tellement nul. Un peu trop bon sur ce coup là. Non, vas-y tout droit, tout droit. Tu peux le faire. Aïe. Aïe. Je vais la faire à chaque fois. Voilà. Ah! Oh là là. Oh, la position qu'il faut avoir sur le truc, c'est. C'est au poilot de faisceau, quoi. Vraiment. Pourquoi faire des jeux millimétrés et frustrants sur lesquels les gens s'énervent? Alors qu'on pourrait être du chill. Enfin, là, je profite, moi. Hein. honnêtement, je pense pas que vous m'ayez vu rager sur Céleste. Parce que le jeu est super juste, quoi. Oh, merde. Ah oui, on est ralenti. C'est horrible. Hop. Hop. Ah, crotte de bique.
Vous avez failli m'entendre dire merde, mais non, j'ai dit crotte de bique. Ah zut, j'ai trop avancé. Pas autant que Mario. Puis encore Mario. C'est quoi le jeu sur lequel j'ai le plus rage pour l'instant? Putain, le mec. Le mec il commence à dire ah là, je rage sur tous les jeux, mais c'est lequel sur lequel j'ai le plus ragé, dis donc. C'est un peu. Isaac, hein, ouais, je pense. Hein. Je pense. Oh non, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Elle est pas dure cette phase pourtant. Oh là, quel nul. Attends, Melzikel, j'arrive dans 2 secondes pour ton message. Mais non, mais non, mais... Oh, quel nul. Ah! Si on fait un prorata, c'est le plus... Ah non, justement, Isaac, au nombre d'heures jouées, je pense que c'est pas un jeu où je rage beaucoup. Il y a des fois où je m'énerve parce que je trouve ça un peu dégueulasse et tout ça. Mais par contre, voilà, j'ai 1100 heures dessus. 1100 heures dessus. Donc j'ai très peu ragé au final sur Isaac. Clairement. Ça dépend. Si tu mets ça sur un ratio rage-temps, peut-être kiff-kiff, ouais. On est d'accord que Céleste fait une grave erreur avec ses fraises alors que le fruit du fraisier, ce sont les akènes. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Attendez. Où je passe? Il faut que je passe vite, c'est ça? Que je m'accroche au machin. Ah non, c'est bon en fait. Oh, ouais, d'accord, j'ai compris. Ah ! Quel gros naze. Le streamer est un gros naze. Mais vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude de me voir fail. Donc bon. Ouais, pas assez près. Dommage. Zut. Flûte de zut. On y arrive. Ne vous inquiétez point. Ça va l'effectuer. Trop bas. Trop bas, trop bas, trop bas, trop bas. Oh, cette gravité nulle là. Quelle idée ?
Ok, donc. Hop là. Il l'a eu. Il l'a eu. Merci. Merci beaucoup. Il a le droit de boire du coup. Pourquoi pas un petit défi? Les phases C sont maintenant débloquées et les fraises d'or sont apparues au début de chaque chapitre. Bonne chance! Il y a Rabia qui vient de mettre un grand coup dans la porte là. On a fait moins de morts que sur le chapitre 7. Hein. Le chapitre 7, ouais, 567. Ouais. Du coup. Maintenant j'ai les faces C, j'ai les fraises dorées. Alors que sont les fraises dorées? Vous voyez? Fraises dorées, c'est ça. Et les fraises dorées, que fait-on avec? Eh ben les fraises dorées, c'est tout simple. Il faut aller à la fin du niveau sans mourir. Eh oui! N'est-ce pas donc très rigolo, vous me direz. Hop. Je crois qu'il est par là. Hein. Hop. Je crois que c'est par là à la fin du niveau. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Plus compliqué. Non, on peut en fait pas plus compliqué. Ah ça y est, Rabia là qui est bien vénère là. Qui est en mode je défonce la porte. Vas-y mon chat, tu peux le faire. Non c'est pas par là, là c'est une fraise. Ok. Ah là là, la petite arnaque à la fin là. Le jeu m'a bien arnaqué. Donc vous voyez là, bon bah vous vous rappelez un peu du niveau 1 quoi. Donc le niveau 1, ça reste le niveau 1. Hein. Il est au quai tiers. Non, j'ai plus de... Oh, d'accord, j'ai plus de dash. Rabia, t'es juste chiante. Je sais pas pourquoi elle gratte la porte comme ça, c'est chiant. J'ai failli faire une grosse bêtise. Alors,
Voilà. Allez, y aller doucement. Salut Git, comment tu vas? Voilà. Et donc les fraises dorées, bah, donc faut vraiment arriver au bout du niveau sans mourir. Donc là, ce que je viens de faire. Et ça nous donne la fraise dorée. Je déconseille vivement le film Oxygène sur Netflix. Enfin, vous déconseille. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il m'en a parlé? Il me semble que quelqu'un m'en a parlé. Je sais plus. Et donc... Donc on voit quoi? Donc voilà, le record de mort sur le premier niveau est passé à 0 évidemment. Oh mais Rabia, elle est chiante. Ah oh, mais qu'est-ce qu'elle est relou, hein, je vous jure, j'arrive. Ah là là. Et elle se jette sur la bouffe. Tout ça pour que demain matin, je me retrouve avec une plaque de gerbe grande comme ça devant ma porte de chambre. Hein. Sorti aujourd'hui, la radio a dit « Ouais, regardez-le, c'est énorme !» On ne voit pas la fin venir. Mélanie Laurent. Eh bien, mais c'est naze. Ah, c'est le film où elle a dit qu'elle n'avait pas moufté pour se prendre 100 rats sur la gueule, c'est ça, là? Faut pas être claustro. Est-ce que je me tente une face C ou pas? Ouais, sans doute. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai vu le truc. Voilà, Mélanie Roland a dit dans un journal que la... Hop, elle s'était pris de des rats sur la tronche. Et quelqu'un qui disait, bah ouais, évidemment qu'elle a pas moufté vu que c'est ma pote. c'est ma pote qui est cascadeuse en fait, qui a fait la doublure quoi. Donc, a priori, c'est pas elle quoi qui se prend les. Il y a une scène a priori où elle se prend des rats sur la tronche. Tout le monde est là ce soir. Bah oui, oui, tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Il y a plein de monde. Et il y a plein de gens qui ont été sub. C'est bien. Merci Grand Tif. Tiens, hop, une salve d'applaudissements pour Grand Tif. Ok. Donc fraise dorée, c'est ok pour celui-là. Il manque Bibi. Ouais, mais Bibi adore déjà. Et Bibi, je pense qu'il a roupé déjà quoi. Qu'est-ce qu'on essaie de se faire? Est-ce qu'on essaie de se faire une petite face C? Ou pas? Oh, il est horrible. Ah non, en fait, finalement, il est simple. Je vous jure, cette première partie, j'avais passé des heures dessus, je crois. Et là, genre, first try, easy GG, quoi. Ouais. Tu pourrais commencer Horizon. Bon, non, on va pas commencer Horizon à ce temps-là. Clairement, déjà le tutoriel il doit faire 2 heures. Allô? C'est naze par contre. Chaud cacao.
chocolat. Non, trop tard. Enfin, trop tôt d'ailleurs. J'ai décidé de dash. Enfin, de sauter d'ailleurs, parce qu'on dash pas. Trop tôt. Hop là. Oh, mais elle est facée quoi. C'est effacé ça. regardez un épisode de Outlander et Dodo. Bisous Claveline, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et encore merci pour le sub. Plein de bisous. À what? Tu sais à quoi je viens de penser? J'ai pas de prise dispo pour brancher la Switch vers le PC. Hein? Quoi? Comment ça? Ah, prise électrique. Ouf. Ouah, ça va vite. Ça va vite. Quoi? Tu stream pas toute la nuit pour ce jour férié? Non! Non, et pour vous avouer, demain je suis même pas dispo. Donc pas de stream toute la journée demain quoi. Clairement. Ah d'accord. Hop. Oh, il y a des piques. Ah, il y a des piques au bout. Allez salaud. Bah, écoute Blacky, va falloir investir dans une multiprise. Oh ça c'est chaud. Aïe. Mais pourquoi je fais pas ça? Oui. Ah, parce que j'ai plus de dash après. C'est pour ça que je fais pas ça en fait, c'est parce qu'après il y a plus de dash sinon. Hop. Ah, je fais pas le dash assez rapidement en fait. C'est un problème. Hop. Là, j'ai sauté trop tôt là. Et là clairement j'ai sauté trop tôt. Oh. Aïe. T'es 10 heures tôt ce soir Blacky? Non, elle est sur la tablette je pense. je pense que elle est sur la tablette. Quand madame est sur la tablette, c'est une catastrophe. Hop là. Ouah. Nul. Oh bah elle a juste des gros doigts alors. Elle est pas sur la tablette, elle a juste des gros doigts. Emel Zekiel, non, tu te désabos pas. Hein. Ah, tu streamcraft demain? À quelle heure je suis pas dispo? À partir de demain midi. Peut-être même avant d'ailleurs. L'indisponibilité a décidé de. D'un commun accord de venir plus tôt. Oh, merde. 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 Ah, à chaque fois. Hein.
pas que le couvre-feu gêne. Ça. Enfin, surtout parce que... pas envie d'attendre trop longtemps. Surtout pour ça, quoi. On a des choses à acter. C'est pas le tout, mais il y a des choses à acter, hein. Oh là 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 là. Grantif, ouais, tu fais bien de préciser, Grantif. Vu la discussion de tout à l'heure, Grantif n'est pas la cause de mon indisponibilité. À mon grand déplaisir, évidemment. Mais hop. Tac. Oh non, je l'ai foiré. Pour la peine, je vais me coucher, je vous abandonne. Bisous Malzekiel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour tes Jean-Michel qui étaient... c'était cool le Jean-Michel. Jean-Michel posait des questions. C'était cool. Après, il n'y a pas besoin de Jean-Michel pour me poser des questions. Hein. J'y aurais répondu même sans ça, mais c'était cool. C'était une bonne idée. Oh non, j'ai cru que... Ouais, j'ai, ah, c'est dommage, non. C'est encore loin après ou pas? Si vous pensez qu'il y a encore beaucoup après. Je l'ai encore loupé. C'est vrai que je suis belle tous les jours, je n'ai pas besoin de me faire belle. Et pourquoi on dit me faire belle? J'ai pas le droit de me faire beau. En tant qu'homme, j'ai pas le droit de me faire beau. Vous êtes tellement sexistes les filles. Hein. Hop, yes. N'oublie pas le JM Sock Adventure. Je mets le lien en PM dans le Discord. Ok, ça marche. Ça marche. C'est tellement dégueulasse ça. Ah, c'est tellement dégueulasse. Allez, on y croit. Hein. Ah, trop tôt. Trop tôt. Ah, trop tôt. Tellement trop tôt quoi. Tellement. Allez, faut tout refaire. Vous voyez, en fait, les phases C, c'est pas les plus compliquées. Hein. Enfin, si, ça demande un peu de skill, quoi, mais... Mais globalement, elles sont assez courtes, en fait, donc... C'est... Ouais, ça m'aurait pas marché, là. Yes. Les phases C, elles sont assez courtes. Hein. Alors, pour tout le monde, se faire belle égale chier. Oh non! Elle raconte tout. Là, voilà la face C là. 43 morts quoi. 43 morts pour la face C. Hein. Je suis ouf moi. Est-ce qu'il y a des fraises Est-ce qu'il y a des fraises dorées aux phases? Aux faces? À l'enfer. Ils ont osé mettre les fraises dorées sur les phases B et C. Attendez, je... C'est immonde. Ouais, ça, voilà, c'était pour déconner. Hein. Bah, j'ai réussi du premier coup tout à l'heure. Du coup, voilà, la peur de gagner, hein. C'est vraiment la peur de gagner. Hein. Tout à l'heure, j'ai réussi du premier coup. Dommage.
Tu vas jouer un peu et Dodo. Bah de toute façon moi je vais pas tarder à arrêter là. Là je... Allez je la teste. Je teste ça. Et après, après je vais arrêter. J'ai commencé plus tôt que d'habitude donc on va finir plus tôt que d'habitude aussi. J'aime bien Blacky qui me dit la fraise alors que madame était pas capable d'utiliser un bouquin hier dans Isaac. Hein? Hein? J'ai un ulcère moi aujourd'hui. J'ai un putain d'ulcère aujourd'hui. Tout ça parce que t'arrivais pas. Merde. T'arrivais pas à utiliser le bouquin quoi. Oh j'ai rien fait. Là j'ai même pas essayé. Là j'ai essayé mais trop tôt. On va y arriver. Ah ! Il est faisable. Honnêtement il est faisable. Autant la phase B. Je m'y risquerai pas. Qu'elle est tellement longue. Non. C'est quoi l'histoire du bouquin? Non mais non. Dans Isaac hier, elle avait un bouquin qui donne des dégâts en plus. Et en fait, madame, maintenant, elle est trop forte à Isaac, donc elle se dit bah tiens, je vais pas l'utiliser en fait. Ça sert à rien d'utiliser, vu que je suis balèze. Oh mais je vais le faire à chaque fois. Hein. Mais non mais... la meuf trop fière a dit mais troisième exactement quoi. Elle était vraiment à fond sur... Ouais non mais... Je l'ai un peu conseillé sur les items qu'elle devait prendre. Hein. Et du coup elle s'est retrouvée avec un build pété. Le pauvre grid. Pauvre grid m'a pris plein la tête. J'ai bien fait de te dire hein, le brainworm. Hein? Le petit coaching là, ça fait du bien. Ah, faut vraiment, voilà. Bah voilà, tu vois, du coup, tu le dis. Mais pourquoi tout à l'heure j'ai réussi du premier coup, j'y arrive plus là? Bon, peut-être parce que je suis pas concentré du tout. Peut-être, maybe. So call me maybe. Et pourquoi je fais des diagonales en fait? C'était pas une diagonale quoi, mais. Et bah, des bisous, Gigit, merci d'être passé. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde sur le stream. Mais en plus j'ai un dash, non? Je sais plus, j'ai un dash à ce moment-là ou pas? Est-ce que j'ai un dash à ce moment-là? Parce qu'en fait je pourrais dasher si je veux bien viser. Si je veux mieux viser, j'ai juste à dasher. Pourquoi je m'amuse... Non mais... Pourquoi je m'amuse à faire ça, honnêtement? Non mais les worms c'est pareil, hein. Moi la plupart je sais pas ce qu'ils font. Hein. Mais Brainworm, j'ai vite compris que lui il faisait des trucs sympas. Et encore je savais même pas qu'avec les lasers ça marchait aussi donc... maintenant je vais le prendre encore plus souvent je pense. Oh, C'était risqué, mais... Non. Allez. You can do it. This is not so complicated. Mais j'y vais trop tôt. Mais j'y vais tellement trop tôt. Voilà. Juste y aller doucement, en fait. Dit-il avant de se replanter 2 secondes après. En fait là ouais il y a quasiment pas de pique là ce moment. Voilà. Hop. Arrête de faire le con. Auto. Et les techs, je les reconnais pas encore.
Alors moi je confonds encore parce que les techs ils ont été modifiés avec repentance. Et genre Tech One qui était vraiment nul, maintenant est vraiment pas mal. Donc avant Tech 1 ça servait à rien de le prendre et maintenant finalement c'est un bon item quoi. Donc, parce qu'avant il baissait les dégâts, chose qu'il ne fait plus maintenant. J'ai même pas dévié quoi. Mais c'est con, c'est les trucs que j'ai réussi du premier coup tout à l'heure. Et que je suis en train de fail en boucle. Maintenant qu'il faut pas que je meure quoi. Question pour le boîtier, tu fais comment pour le balancer sur l'écran sans avoir à débrancher le HDMI du PC? J'ai plusieurs entrées sur l'écran. Voilà. Alors c'est soit ça, soit un petit switch HDMI quoi. Alors moi j'ai pris un switch HDMI, mais mon switch HDMI il me sert pour brancher le... Putain, la Wii U et la Switch. Mais sinon en fait j'utilise les différentes entrées de mon écran pour basculer d'une source à l'autre. Pourquoi ça passe pas? Ah, c'est pas si compliqué quand même. Oh là là, mais... Infernal. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas pensé à ça? T'as qu'une entrée sur ton écran? C'est quoi ces écrans que t'as là? T'as qu'une entrée sur ton écran? Chaque fois. Ouais, je l'ai mis, oui. Ah. Faut que je te dis ça moi aussi. Hein. Moi aussi j'ai qu'un HDMI quoi. Je sais pas pourquoi je le foire. Hein. Je sais pas pourquoi déjà. Mais en plus j'ai fait une diagonale, c'est complètement con. Là j'ai attendu trop longtemps. Je crois qu'on va arrêter. Hein. Parce qu'à chaque fois je me fais avoir en fait, donc du coup maintenant je le fais trop tôt quoi. J'ai pré-shot. Ça c'est une connerie, voilà. Mais après post-shot c'est pas bon non plus quoi. Bon, on va peut-être arriver à passer ce truc là un moment. Mais non, on va pas y arriver. Ah, je transpire des mains, vous avez pas idée. Ça en est dégueulasse. Ouais. Mais ils ont fait les fraises dorées sur les faces B et C quoi. Mais non, mais je me suis même pas décalé là. C'est où je me décale trop ou je me décale pas du tout. C'est très binaire mon jeu hein. Moi je joue comme ça hein. C'est oui, tout ou rien. Oh mais
J'ai pas fait mon deuxième dash. Et là j'ai dashé, je sais pas quoi. Mais ça la première fois je l'ai passé du premier coup hein. Et maintenant je fail en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. C'est honteux de se planter à ce point. Hop là. Allez. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, hein. On y croit. Je vais me planter là. Ah non. Comment on passe quoi? Comment on passe? Oh j'ai eu chaud parce que je pensais le foirer. Oh là là, c'est infernal! Comment je fais pour le passer quoi? J'ai réussi tout à l'heure ou pas? Oui j'ai réussi une fois hein, non? Je sais plus. J'ai réussi une fois je crois. Et là que je commence à me planter là maintenant. Ok, bon. Attends, j'ai peur ici maintenant. Oh mais non mais... Et toujours au même endroit hein. Toujours, je fais et... par contre je suis Reguman quoi. Pour plagier... chez You, je suis Reguman, mais Reguman dans la merde. Reguman dans le fail. Je me plante, mais c'est toujours la même chose, quoi. Ah mais de toute façon j'ai pas commencé à prendre les fraises dorées sur les faces B et C quoi. C'est... non. Non. Non non ça va déjà me prendre trop de temps de faire les faces C. Je vais quand même pas les apprendre par cœur. Ça serait une connerie. Mais je sais pas comment faire. Honnêtement je sais pas comment faire. Hein. Mais non mais... Je le sais, je le sens en plus. Je sens que je le fais trop tard quoi. Et bon, puis bah, maintenant voilà. Maintenant je vais pré-shot tout. Parce qu'il y en a un que j'ai foiré en étant trop tard. Maintenant je pré-shot tout histoire d'être sûr. De bien me planter à chaque fois. Oh j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Putain mais comment faut faire? Alors ça c'était très original ça. Je sais pas combien de frames c'est. Faudrait que j'aille regarder. Combien de frames on a pour arriver à passer au bon moment quoi. Parce que de mes yeux, il n'y a pas beaucoup hein. C'est un peu au doigt mouillé quand même hein. Bon, y a un moment où je vais y arriver ou pas? Non. La réponse est non. J'ai réussi. Comment j'ai fait tout à l'heure?
Bon allez, on va arrêter parce que... Ça sert à rien. Je fail en boucle. C'est pas plus compliqué que là pourtant, j'ai l'impression. Si. La même à chaque fois, hein, à chaque fois. Est-ce que j'ai... Mais ouais, est-ce que j'ai mon dash à ce moment-là? Je crois pas. Il faudrait que je fasse attention à ça en fait. Est-ce que j'ai mon dash à ce moment-là? Non, je l'ai plus en fait. Ouais, parce que mon dash, je le perds ici. Ouais, je le perds ici, donc là j'ai plus de dash. Alors ça c'était très rigolo ça. Mon dash, je le perds. Hein. Donc, faut vraiment que j'arrive à viser entre les deux là. C'est infernal! C'est infernal! Faut tapoter. Faut tapoter pour aller à gauche. Faut tapoter pour aller à gauche, mais vraiment pas grand chose quoi. C'est quelque chose, hein. Je sais pas. Je sais pas comment faut faire. Mais non, mais... Pas comme ça déjà, c'est sûr. J'arrive pas, hein. Pourquoi j'arrive plus là, même plus là, même plus ici quoi. Putain, je sais que c'est trop tard. Je sais que... Ok. Je suis allé à droite. Ah c'est bon, cette fois-ci j'avais pas trop à gauche. J'allais pas trop à gauche parce que j'allais à droite. Et c'est une très bonne technique. C'est une très bonne technique. Pour ne pas aller à gauche, aller full à droite. Bah allez, 3 essais encore. Je me fous tellement la pression en disant ça en fait. Je me fous tellement la pression en disant ça. Non. Je sais pas comment faire. J'ai aucune idée. Ouais, deuxième. Dernier essai. Et là ça passe. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Putain ça passe. Putain ça passe. Je sais plus comment on fait ici. Si je me rappelle.
Oh merde, j'y étais. Ouais, on le refait. On y retourne. Je sais, j'avais dit 3 essais. Ah mais ça vous avez rien vu là. Oh j'y étais. Oh j'ai de choc. J'ai eu peur. Non mais si on arrive pas à repasser là le pic. Non mais celui-là ça compte pas. Si on n'arrive pas à repasser le pic. La rue le pic là. On arrête, mais Ah oh, j'étais tellement bien. Oh dégoûté. Non mais j'arrive plus. Bon bah voilà. On va s'arrêter là parce que c'est du coup. C'est celui d'avant qui passe plus. Après c'est bien parce qu'ils sont courts quoi. Elles sont vraiment très courtes les faces C donc on peut se permettre de... Allô ? Non mais genre le truc que je régule depuis tout à l'heure là. Ça passe plus, ça veut plus. Alors que j'ai jamais failli l'avant. J'ai pré-shot. Comme d'hab, j'ai eu peur, j'ai pré-shot. Bon allez, les 3 derniers essais, hein. Mais les vrais. Hein. Les vrais 3 derniers essais là. Et 2-1. Ouf, j'ai failli me les prendre. En fait, faut vraiment que je sois en bas, je pense. Et de 2. Faut vraiment que je sois en bas de la plateforme pour pouvoir gérer, en fait. Et 3. Hop là. On restera une autre fois. Ouh là là, ouf. Oh les morts. Il y a le Pico 8 aussi. Allez, salut. Bisous YouTube. À la prochaine.